en de stilte is ingebroken. Il me revient maintenant à brosser le portrait du personnage et de l'artiste Kim Min-young, qui est né en Corée du Sud. Na zijn studies aan de Academie van Schone Kunsten en in de kunstgeschiedenis te Seoul zet hij, bekeerd en gedoopt, ze verder aan de Katholieke Universiteit van Freiburg, om uiteindelijk te belanden in het klooster van de Dominicaan, van de Faubourg Saint-Honoré te Parijs. Dit klooster was een voedingsbodem voor de moderne kunst in Frankrijk. Denken we maar aan het essai van Pater Couturier, L'art et la liberté spirituelle, en zijn uitspraak naar aanleiding van de controverse waarbij de bouw van de kapel van Notre-Dame du Haut de Rochambeau Le Corbusier werd toevertrouwd. Il faut mieux s'adresser à des hommes de génie sans foi qu'à des croyants sans talent. De twee zijn verenigd en Kim Min-young. L'art abstrait qui, depuis l'essai de Kandinsky, Über das Geistes in der Kunst, du spirituel dans l'art, inondait nos pays et de nos jours répandu par Kim Min-young dans sa forme lyrique. La beauté triomphe toujours dans l'art. Pour Kim Min-young, sa foi profonde est le moteur de son immense palette de couleurs. L'œuvre de Kim Min-young possède beaucoup de facettes. Tout d'abord, ses peintures dans tous les formats possibles, suivies par des bannières avec comme magnifique exemple les Béatitudes et Saint-Dominique ici derrière nous. 9 toiles de 5 mètres de hauteur. Dit kleurenfestival van geloof, hoop en liefde met een geëigend coloriet van geel, blauw en rood en groen zet zich door in zijn lithografieën en digigrafieën. Ze zijn enerzijds verschenen in kunstboekvorm onder de titels Het Kruis, La Croix, De Verrijzenis, La Resurrection, telkens aangevuld met meditatieteksten van kardinaal Danees. Het nieuwe boek dat vandaag wordt aangeboden met het veelzeggende titel Amen is er het recente voorbeeld van. Thank you, Mr. Hillary Regan, voor dit boek. Anderzijds zijn er de 33 ingekaderde digigrafieën rondom ons in de ganse Haanderij, die zich voorstellen de 33 levensjaren van Jezus. Ensuite, vous trouvez dans la vitrine cette vase en keramique. Aussi surprenant de forme que de coloris. Les 6 vases de forme identique représentent les vases de Cana, complétés par un 7e vase, symbole de l'unité fédérale. Aujourd'hui, dans ce tôle, un nouveau vase, fin de 1,65 m de hauteur, la lumière du Vigile Pascal, het licht van de paaswagen, est venue s'ajouter à l'occasion de ce bel anniversaire qui vous est offert, monsieur le président. Ik sla de kleurrijke kazuiven niet over, maar u bent allen hierheen gekomen
voor het ultieme geschenk dat aangeboden wordt. Twee nieuwe glasramen. De oranje-rode hemelse vader, de percelist, in het midden wordt nu geflankeerd door twee andere dominerende kleuren van het Kim zijn palet. Het blauw enerzijds en het geel anderzijds. Aldus worden zij samen verheven tot een meesterwerk, namelijk de hulde aan de drie eenheid. L'hommage à la Sainte Trinité. Uitgevoerd door de zonder loodtechniek van de Duitse firma's Glas Studios Dirks. Vielen dank aan Gerl Willem Dirks en de twee dames hier aanwezig. Kim a dessiné et peint des vitraux pour plus de 25 églises, chapelles et couvents dans notre pays et dans les pays environnants. Nous le remercions de tout cœur pour son message profondément croyant, ainsi que pour le fait qu'il mette encore à disposition une dizaine de digigraphies avec des aphorismes du cardinal à ceux qui désirent encore participer au paiement de ces deux vitraux. Il y a ajouté une tasse spéciale pour cet hommage des 60 ans de sa fête. Merci, vous tous, nombreux et généreux donateurs, et je dois finalement remercier du soutien de la Loterie Nationale qui a rendu possible cet investissement exceptionnel dans notre basilique nationale. En ken je dan ook graag met Kim's boodschap? Tout mon art doit être des ténèbres à la lumière. Le vitrail est l'œil d'une église. Amen. Artista de la luce. Amen. C'est à la basilique de Kuckelberg qu'ont été célébrés les 60 ans de sacerdoce du cardinal émérite Gottfried Danneels. La célébration était présidée par le cardinal Joseph de Kesel. Et de nombreux prêtres étaient venus le rejoindre pour commémorer l'événement. Le cardinal Danneels, aujourd'hui âgé de 84 ans, est originaire du petit village de Kanekem en Flandre occidentale. Ordonné prêtre en 1957, il est nommé évêque d'Anvers 20 ans plus tard. Avant de succéder au cardinal Sunens comme archevêque de Malines-Bruxelles et d'être nommé en 1983 cardinal à son tour. Un parcours exemplaire et exposé pour cet homme pourtant très discret. Après la cérémonie, place au cadeau. Dans l'espace artistique baptisé en son nom, deux nouveaux vitraux encadrent désormais le vitrail central. Un hommage à la Sainte Trinité. Des œuvres magnifiques qui sont le travail du père Kim En-yong, un artiste dominicain d'origine coréenne et qui entretient avec le cardinal Danneels de réels liens d'amitié. En témoignent ces méditations brèves et poétiques qui accompagnent le pinceau de l'artiste.
des œuvres nombreuses que pouvaient admirer les visiteurs avant de partager un petit moment de convivialité avec celui qui a guidé l'Église de Belgique pendant de longues années. Il a eu un rayonnement et une autorité dans à l'intérieur de l'Église et dans notre pays qui est remarquable. Donc je dirais que c'est un homme fondamentalement bon et doux. Et en tant qu'évêque et donc guide et pasteur de son Église, il n'a pas guidé avec la main dure comme ça. Oui, mais il faut ça aujourd'hui, je crois. C'est ce que le pape François dit toujours, c'est la miséricorde aussi. Hein. Et qui ne met nullement en question la vérité de l'Évangile. Mais la miséricorde appartient à la vérité de l'Évangile.